Ouais. OK, parfait. OK. Je barrerai pas la porte vu que... C'est ça. Parfait. Fait qu'on va aller, mettons, jusqu'à la lumière là-bas. Puis on peut faire le tour du quartier au complet. Puis on va revenir. Okay. Puis là, ça semble être correct. Là, ça semble être assez, assez clair. J'espère que je les ai mis en dedans, oui. J'ai pas remarqué, je sais pas. Ah, mon nom. Ouais, c'est parfait, ça. Alors, ça, je vais te... Ouais. Mais avec la neige et puis avec un peu de soleil, là, ça aurait été parfait. Ben, là, au moins, on va savoir à quoi s'attendre, on va avoir ma grandeur. C'est ça. Ah, il y a des poches. Ouais. Parfait. On peut continuer. On est vraiment bien dans cette région aussi, la région de Portneuf, là. J'ai vécu, moi je viens de Longueuil, j'ai vécu sur le plateau Mont-Royal, après ça je me suis construit à Saint-Lin. Okay. Donc dans le coin de Terrebonne, Mascouche, là. Donc j'ai vécu quand même un peu partout, j'ai étudié à Rimouski en plus. Je connais quand même pas mal bien toutes les régions. J'ai travaillé un peu au Saguenay, j'ai vécu à Halifax en plus. Ah, oui. Parce que j'étais dans la marine avant. Ouais, c'est ça. Ah, vous étiez dans l'armée? Ouais, dans la marine canadienne. Fait que j'ai été à Esquimalt longtemps, la base du Pacifique, puis j'étais à Halifax. Ah, ouais, j'avais arrêté. Ouais, c'est ça. J'ai été 11 ans là-dedans. Puis je commençais à être tanné de tout le temps être en mer, là. Fait que c'est pas tout le temps évident. Ah, mais c'est quoi que vous faisiez? Moi, j'ai été 7 ans mécanicien de marine, puis j'ai été 4 ans opérateur sonore. Vrai? Ouais. J'ai fait plusieurs bateaux, puis là, j'ai fait un déploiement de 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, j'ai été dans 8 pays en Europe. Ouais. Puis j'avais donné mon nom pour être des sous-marins. Ah, oui. Moi, mon but, c'était d'être sous-marinier. Oh mon Dieu! Ouais. Oh, c'est quelque chose, hein? Ah, c'est très beau. Avec la lumière ici, c'est surtout. Ça, là. Hein? Parfait. On va continuer par là-bas. Par là-bas jusqu'à chez moi. Pardon? Ouais, on va faire un tour, c'est ça. Oui, dans le coin, dans la région ici. Et puis, mais il portait plus petit. Ouais, non, plus petit. Et puis, il portait eux autres du 4, mais pas du 4, mais du 6. Ouais. Il pèse 90? Il m'avait dit 110. Ouais. 5 pieds, puis une, je pense, 5 pieds 2. 110. Ouais, 110 livres, ouais. OK, OK. Fait qu'on parle de. C'était pas. C'était, il prenait du 6. Là, dans le 6, c'était parfait. OK. Wow. Ouais. C'est ça? Non. Lui, il est confortable comme les autres? Très. C'est à peu près la même coupe, hein? C'est presque... La même affaire, mais c'est ici que c'est plus beau. Puis c'est pour quelqu'un qui a plus de sang. Hein? OK. Ouais, c'est ça, il est plus simple, là. Ouais, quelqu'un qui est boosté, lui, il est correct. Puis ça prend quelqu'un qui... Moi, j'ai des épaules, hein? Fait que je vais avoir l'air plus large. OK, ouais. Dedans. Puis j'ai des épaules assez larges. Ah, c'est parfait, là, avec la lumière, là. Parfait. Vous pouvez continuer. Parfait. Ouais, c'est ça. Repasser encore. C'est ça, comme ça. Mettons 2-3 fois. Pour essayer de bénéficier de la lumière un peu, là. Parfait. OK. Puis revenez. Ça va faire des très bonnes captures d'écran. Ça, c'est quelle sorte de caméra, ça? Ça, c'est une Panasonic. Ouais.
C'est une Panasonic, elle a trois capteurs qui divisent les couleurs en trois couleurs primaires. Donc, c'est une technologie comme de professionnel. Ah, oui. Cette caméra, elle valait 1 000$, je l'ai payé 650 flambant neuf. Ah oui? Ouais. Puis elle en filme entièrement HD, 1080p HD. C'est ça, 1080p, 60 images par seconde. Puis en plus, ça prend le son en stéréo. Ah, ouais. Puis elle a un microphone zoom, ça veut dire que quand on zoome l'image, bien, le son va zoomer aussi. Donc, le son s'ajuste en fonction du zoom de l'image. Ben, ouais, on va. Elle est très, très sophistiquée. Puis pour 650, là... C'est tout petit. Ah oui. Puis c'est du HD intégral, là. C'est HD intégral. Donc, c'est vraiment, là, une excellente affaire que j'ai fait là. Excellent. Mannequin un jour, je vais à ma soeur pour le faire. Voyons donc, elle a été amusée dans la vie. Ah ouais? Je m'en allais couper du bois. Ah ouais? Vous avez comme une sorte de terre à bois? Non, on n'a pas de terre à bois. On coupe notre bois où il y a des arbres de tombée sur le bord du fleuve. On a demandé la permission. Fait OK. Au lieu qu'ils partent avec nous, mais le bois, il est sain et sain. Il est sain et sain. Là. C'est des belles billes. Là, qu'on... OK. Avez-vous une fendeuse de bûche? Non. Vous y allez à hache. On les met en rond. On met ça dans mon carreau cabanon chez nous. Puis l'année prochaine, OK. On va les fendre. Bon, parfait. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, puis on va rentrer. Ouais. Ouais, vos clés, je pense que vous les avez laissées en dedans. Oui. C'est pas, c'est ni trop chaud ni trop froid. C'est juste correct. Ah, t'avais débarré, je peux rentrer? Oui, c'est ça, c'est bon.